C'est parti, commencez la diffusion. Ici, on met la caméra à l'avant. Badaboum, ça marche. Nihao, je suis Greg le Geek, où j'ai joué aux intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour ce live en direct de Pattaya pour un déballage sauvage. Donc toujours, on commence un petit peu, on est en live. Yo, on est en live sur Periscope et vous verrez le replay sur YouTube en HD. Et oui, les joies, les magies de la technique. Puff, je suis deuxième. Bonjour à toi, deuxième. Ça va des claps? Ça va des claps à toi aussi. Derrick 56. Voilà, donc là, vous arrivez tout doucement. 17, 18, 19. Mais cette fois, j'aurai le premier dans les cœurs. Ah, écoute, il ne tient qu'à toi. Dégage dans les cœurs. Allez, j'ouvre un petit peu mon scoper chat pour avoir un petit peu le live. Copier l'adresse du lien ici. Badaboum, pendant que je vous laisse faire un petit peu les bonjours. Les chichis, les ouin-ouin, et bonjour à tout le monde, bien sûr, vous l'aurez bien compris. Ici, on va mettre la fenêtre là, tiens, on va mettre la fenêtre là, comme ça, je suis sûr que ça marche bien. Ça enregistre bien. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour à tous, vous l'avez vu dans le titre, c'est pour un déballage sauvage, ouais, bien sûr. Allez, comme toujours, on commence. Alors, cette vidéo sera sur Periscope aujourd'hui, en live à midi, donc mardi midi à midi, et je fais un double enregistrement avec la webcam, ce qui fait que vous la verrez demain sur YouTube GLG Review en HD. Certains l'auront pu voir, la vidéo d'hier était aujourd'hui sur YouTube en HD. La qualité est quand même vachement mieux. On a la caméra, machin. J'ai résolu mes problèmes de micro et tout. C'est quand même plutôt pas mal. Allez, comme toujours, pour commencer, vous pouvez me soutenir et m'encourager en partageant cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Coucou ma cocotte. En cliquant sur le petit bouton, le petit bonhomme à droite là-bas qui a marqué 35, vous cliquez dessus. Là, vous pouvez partager sur Twitter. Ben voilà, si vous pas déjà sur Twitter ou sur vos abonnés. L'objectif un petit peu du dossier cette semaine, ça sera d'atteindre les 1000 abonnés. On vous a promis, si on fait 500 abonnés, on fera une accrotidienne tous les mercredis à 19h. Si on atteint les 1000 abonnés, on fera deux accrotidiennes. Et si on arrive par miracle un jour aux 2000 abonnés, je ne vous raconte même pas ce qui va se passer. Sinon, ça va vous énerver. Voilà, merci à tous ceux qui partagent. Merci, vous êtes beaucoup à avoir partagé. Merci, merci. Merci beaucoup à tous. Vous pouvez, comme toujours, participer à notre concours de cœur pour essayer de faire bugger Periscope en cliquant. Mais apparemment, non. Il y a des mecs qui ont beaucoup plus de membres que nous, beaucoup plus de cœurs, et ça ne bug pas. Donc, c'est que ça ne met pas les cœurs. Vous pouvez tapoter sur votre écran de temps en temps, ça fait des petits cœurs de couleur. C'est joli. Vous les voyez monter comme ça, et vous dites, ah, c'est moi. Voilà, c'est l'heure. Eh ouais, tu vois, midi pour vous, 17h pour chez moi. Voilà. Je vous rappelle, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser en mettant un point d'interrogation. Apparemment, ça marche. De temps en temps, on a un petit décalage, mais on voit les questions. Bonjour à Lou. Hello, Lou. I don't know if Lou is online today. I will check. I think she worked today. Je ne crois pas que Lou allait en ligne aujourd'hui. Apparemment, elle travaille. Donc, vous pouvez poser vos questions. Voilà, posez vos questions avec un point d'interrogation. Et apparemment, les questions remontent. Alors, ce n'est pas instantané, mais ça remonte. Voilà. Donc, hier, on a fait le déballage sauvage des enceintes qui sont ici. Ah, ben, vous ne les voyez pas, c'est con. Elles sont ici, elles sont posées en forme d'œuf et tout. Elles déboîtent leur race complet. J'ai fait la vidéo. Vous la verrez pour les Geek Plus demain. Et on la mettra sur JT Geek jeudi. Voilà. Donc, ça va être plutôt pas mal. Des enceintes qui déboîtent bien. Hein. Je fais une belle review. Au niveau du son avec la caméra, on ne se rend pas bien compte. Mais vraiment, des enceintes qui déboîtent, ça méritera le lapin. Non, il y a plus du mètre pouce maintenant. Et hier soir, machin, je vais me commander une petite pizza en bas parce qu'il y a une pizzeria. Je me mets. Hier soir, c'était soirée Game of Thrones. Bien sûr, c'est lundi soir. Je me mets devant Game of Thrones. Et ma voisine qui tape. Yeah! J'ai reçu un colis pour vous cet après-midi. J'ai dit, bah merde alors. Donc, voilà. Donc, j'ai reçu le colis. Mais t'as un point d'interrogation hein, pour les questions. J'ai reçu un colis hier et je sais totalement pas ce que c'est parce que les deux colis que j'attends, en théorie, ils sont en envoi Neverland Post. Je ne devrais pas les recevoir avant 15 jours. Donc là, c'est la grosse surprise. Je ne sais pas du tout ce que je vais recevoir. Hein. Je vous le déballe. Tom Top. Si c'est Tom Top, c'est un smartphone. Mais je ne me rappelle pas de Tom Top, ce qu'elle devait m'envoyer. Parce que le dernier qu'elle devait m'envoyer, c'était le Lumi Super. C'est pas un autre Lumi Super. Vous pouvez être sûr. Parce que m'en a envoyé un et la boutique m'en a envoyé un. Bon, c'est un smartphone, c'est sûr. J'arrive pas à voir. Oh! Oh! Comme quoi, tout arrive, les mecs. Bon, je vous le déballe un peu. C'est le Vermitor qui arrive après la bataille, qui arrive après la super bataille. Pourquoi elle arrive après la bataille? En fait, on devait l'avoir et apparemment les stocks sont assez tendus chez Vernet.
On a demandé à la boutique de me l'envoyer. Elle l'a envoyé et cette grognasse, au lieu de mettre l'adresse, elle a mis l'adresse, donc 1662 à Greenville Village. Non, je ne les paye pas les smartphones, mais on me les envoie gratuitement, monsieur. Mais je fais des reviews en échange, donc on ne peut pas tout avoir. Et elle a mis mon adresse, mais elle a mis 1662 Pattaya, Greenville Village, la ville Marseille, France. Donc le truc, il est parti à Marseille en France, voilà. Donc, elle me l'a renvoyé après. Je pensais qu'elle allait lâcher le morceau hein, avec le Vernet. Comme il est parti à Marseille, il fallait attendre qu'elle le roule, qu'il retourne en Chine, qu'elle me le renvoie et tout. Donc, je pensais vraiment qu'elle allait lâcher le morceau. Et en fait, non. Voilà, c'est le Vernet Thor. Donc, c'est une bonne surprise. Il a été déjà testé un petit peu partout, hein, par tous les blogueurs. Mais on s'en fout. On le testera quand même. Hein, ça fera une vidéo pour la semaine prochaine. Putain, je suis tendu en vidéo. Je l'ai expliqué un peu au Geek ou Geek Plus dans un mail aujourd'hui où j'aimerais bien faire que deux reviews par semaine en Thaïlande. À Pattaya, mon pote. Faut se reposer la question. Elle passe pas la question, fais voir. La première, c'est question. La deuxième, c'est point. Mettez deux ou trois points d'interrogation parce que là, apparemment, il y en a qui marchent, mais pas toutes. Je vais essayer de lire les commentaires. Voilà, ce serait de faire une review smartphone, une review high-tech. Donc, cette semaine, vous avez votre smartphone, vous aurez la review high-tech, plus le mercredi, la quotidienne, plus le dimanche, la go-to-fac en live. Voilà, dans un commissariat. Pourquoi pas. Je vais faire un petit classement au niveau des cœurs. Attends, donc, tu vas avoir le Kubo Shita Phone. Peut-être, oui, il faudrait voir le lapin. Oui, on pourrait demander, ouais, le Shida. Alors, les classements pour les cœurs. Le premier, hey Jennifer. Deuxième, Touldoutine. Après, The Dark, Fabien, Goulou, ah, qui remonte. Gibraith, Dave Z et Malinge Arnaud. Et après, Cannes. Cannes en force. Voilà. Donc, du coup, la review qui vous attend la semaine prochaine, le Vernetor. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que il me reste encore le Blue Bow Picasso à faire. Mais comme c'est un truc pas cher, je ne suis pas trop motivé pour le faire. Donc là, du coup, on a les enceintes, c'est dans la boîte, c'est uploadé, machin. Il y a même le behind the scene. On vous rappelle, si vous êtes Geek Plus, sur JT Geek, c'est-à-dire que vous payez 1 € par mois via Tipeee, vous avez les vidéos behind the scene, ça veut dire le tournage, quand je me filme et tout, sans les cuts, sans rien. Donc ça, c'est prêt. Comment font pour avoir plus de cœur que moi? Ils doivent tapoter comme des gueudins. Donc du coup, je vais faire demain une semaine avec le Zopo. Et puis jeudi, vendredi, on verra. Mais à mon avis, je vais attaquer un peu ça parce que je suis sans os sur mon iPhone et j'ai des crampes. Bravo, 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 bravo. Les questions, apparemment, on ne ronde pas. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez y aller. Merci d'avoir invité tes abonnés, Lutman. Ça fait 2 semaines que j'ai la flemme de faire ce Picasso. Ouais, c'est vrai. Non, mais j'ai préféré le Umi Super. Tu comprends? Ça dépend aussi un petit peu à Jennifer of Love. ah ouais, pas mal. Non, mais c'est toujours pareil aux priorités. Je veux dire, on avait le Mi Max à faire et le Umi Super. Contrairement au Picasso, franchement, j'ai préféré faire le Umi Super et le Mi Max. Tu comprendras pourquoi. Voilà. Donc, du coup, les téléphones qui vous intéressent d'abord. Et puis après, je veux dire, là, on attend le TV, le 2 Max. Le TV, le 2 Max, il arrive, il laisse tout tomber. On fait le 2 Max. Téléphone, il est incroyable. Là, le Picasso, voilà, téléphone à, je sais pas combien, à 50 euros, pas déconner. T'as vu quoi au cinéma dernièrement? Je suis allé voir avant-hier, je suis allé voir avec les magiciens là. Do you see me? You never see me? Les cœurs ne s'en fichent pas tous. Oui, apparemment, oui. La même question. Avec les magiciens là, je suis allé voir ça. Bon, allez, autant le premier était bien, autant le deuxième, j'ai pas trouvé très génial. Hein, Warcraft, non, je ne suis pas emballé par Warcraft. Tortue Ninja non plus, X-Men peut-être là, mais moi-même pas. Non, c'est Now You See Me. Ouais, Now You See Me 2. On a vu ça, on en a parlé dans la quotidienne la semaine dernière. C'est tombé, j'avais envie d'aller le voir, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Le Mi Max est-il super? Oui, c'est mon smartphone avec lequel je te filme actuellement. Donc smartphone ici, webcam ici. Vraiment, vous remarquez que le Mi Max, il y a une belle couleur, il y a un beau contraste. On voit bien, voilà, je vais mettre un peu ici, parce que c'est vrai qu'on voit le bouton arrêter la diffusion. En chinois, tu l'as vu? Non, je l'ai vu en anglais, sous-titré thaïlandais. Donc ça va. Le OnePlus 3, tu le vendras combien? Alors, le OnePlus 3, je suis pas sûr qu'on le mette en boutique. Comme certains l'ont demandé, en boutique, Superman vs. Superman, je veux le revoir. Tu veux le revoir? Non, il a chié. Franchement, j'ai trouvé ça, c'est ennuyeux, c'est lassant, c'est n'importe quoi, Batman et tout. Ah, ils ont tout niqué. Non, je ne le regarderai pas encore. J'ai oublié la question. J'ai oublié la question. Le Mi Max, j'ai oublié la question. Il tient bien la charge. Ah, le OnePlus 3. Oui, à OnePlus 3. Alors, vous demandez sur un DB de rentrer des marques de smartphones chinois. Alors, on voudrait pas tout rentrer. Donc, on a rentré les Xiaomi parce qu'on est sûr qu'on ne peut pas les acheter en Europe. Et comme on peut avoir la ROM traduite, machin, oui. Les LOTV, oui. Elle est en train de mettre les téléphones. Normalement, maintenant, sauf que là, elle est en train de mettre des petits cœurs. Gros lot.
Finger, je suis not put a phone. Elle est en train de mettre des. Voilà, normalement, on est en train de mettre les Lotte TV et les prochains qui vont rentrer, c'est les Nubia. Voilà. Les OnePlus, je pense pas, parce que les OnePlus, vous pouvez les acheter en Europe. Donc, du coup, quel est l'intérêt de vendre des téléphones en Asie? La différence n'est pas exceptionnelle. Si vous pourrez les acheter en Europe, maintenant, il n'y aura plus d'invitation et tout, ils vont arrêter leur connerie. Le meilleur téléphone rapport qui a été pris. Le meilleur téléphone rapport qui a été pris pour moi, je ne me cacherai jamais, c'est toujours le Xiaomi Redmi Note 2. Le Xiaomi Redmi Note 2, pour moi, c'est vraiment le téléphone que je préfère, hein, ou le 3. Mais après, je peux m'y mettre la batterie mobile avec la micro SD. Concernant Warcraft, oui et non. Est-ce que j'irai le voir au cinéma? Je sais pas. Est-ce que je vais attendre de pouvoir le pirater comme un babouin? Oui, je le regarderai. Mais aller au cinéma, je suis pas trop emballé. Même si j'ai vu la critique de Jean du Grenier où il dit qu'il n'y a pas besoin d'être vraiment fan du jeu pour comprendre et tout. Non, je pense quoi. Tu penses quoi du Xiaomi Mi 5? Je trouve assez insipide comme smartphone, comme tous les nouveaux smartphones du moment, où il n'y a pas de trucs qui font que oh, le truc il est incroyable et tout. Non, le plus cool, je ne le ferai jamais. J'ai trop de travail. I much cinema in Asia. I much. Oh là là, t'es pas anglaise toi. Hein. You're not English, c'est how much. Je m'en rappelle pas. Si ma femme, if my wife see comment, she can put a price for cinema, but I don't remember. Non. T'es bien payé pour tes chroniques? Non, pas assez. Non, ben non, les chroniques, non. les questions. Je l'ai vu deux fois Warcraft, l'autre fois 3D, 2D. Non, concernant les reviews, soit ils nous envoient les produits, et dans ce cas, c'est à nous de les revendre pour avoir l'argent, donc on les garde, soit ils nous payent pour la review, donc ça dépend. Mais les reviews, on n'est pas excessivement cher. Hein. C'est les professionnels d'entre vous qui veulent faire. On n'est pas excessivement cher dans les reviews. Enfin, pour les Chinois, c'est toujours trop cher parce que c'est vraiment des crevards. Ils veulent qu'on teste des merdes et tout, et les trucs qui valent rien, et ils ne veulent pas payer. Mais moi, essaye speak French for you. Oh, thank you! Comme ma femme. You speak like my wife. No, she speak better. pourquoi tu fais pas des vidéos? Pourquoi tu ne fais pas des vidéos YouTube? Ben, je fais des vidéos YouTube, bien sûr. Va voir, il y a une chaîne YouTube. Tu vas sur YouTube, tu tapes GLG Reviews. Et sur GLG Reviews, eh ben, Luke Walk. Ben, Luke Walk, c'est ma femme. Ta femme est thaïlandaise, non, ma femme est chinoise. Non, non, on fait des reviews YouTube, bien sûr. Toutes les vidéos sont sur YouTube. Et maintenant, même les périscopes, on essaye parce que la qualité est quand même relativement minable. Hein. On l'a vu avec quand on a fait les parcs et tout, la qualité est pourrave. Donc, du coup, je les double avec la webcam qui enregistre en HD. Et la vidéo, je la re-upload après sur YouTube. Ça veut dire que vous pourrez revoir ce live en différé, bien sûr, sur YouTube en HD. C'est quand même plutôt pas mal. Je vais regarder un petit peu les cœurs. Alors, le premier. Non, mais ça marche pas, les cœurs. Ah, ça y est. Et Jennifer, tout le tout team, G-Brace, Fabien Deloy, Golou, Can, DavZ, Grand Thierry et Nootman. Mais à mon avis, les cœurs, il en manque. Hein. Il y a un gros. Tu penses quoi? Il est nouveau qu'à 3 notes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les nouveaux. On l'a testé sur GLG Review, je crois. Tu peux aller voir. C'est vraiment un téléphone que j'ai apprécié parce que rapport prix, il est très très bien. Et au moins derrière, il y a les nouveaux. Donc on a un peu plus de. On a un peu plus de recul. Voilà. Tu es célibataire? Non, je suis marié. Et ma femme elle regarde la vidéo. Voilà. Tu connais pas. Ah, j'ai loupé. Ah, je les vois, et elles disparaissent. Je vois les commentaires et badaboum, ils disparaissent comme un rien. Bon, 11 minutes, le déballage sauvage aurait été plutôt rapide. Donc, pour ceux qui me demanderaient, le prochain live. J'ai des crampes aux doigts. Le prochain live, c'est demain. Qu'en penses-tu? Bah, souvent, bien sûr, tu penses bien. C'est génial comme mec. Merci, vous êtes géniaux aussi. Le prochain live, c'est demain, 19h, pour la quotidienne JT du Geek. Pour la quotidienne JT du Geek, on va parler un petit peu des news, surtout des news chinoises, hein, des news chinoises de la semaine, avec des sujets un petit peu. Est-ce que vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite demain? J'ai reçu le Vernetor, qui était parti à Marseille, qui est revenu et qui m'est arrivé là. Voilà. Donc, Vernetor, qui sera en tête la semaine prochaine. Il n'y a pas d'urgence, tout le monde l'a testé déjà. Est-ce que vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite demain dans la quotidienne? Mettez-moi en commentaire comme ça. Et si c'est intéressant, négociation My American Markets. Demain soir, je vais tester il y a un petit pub là, que j'ai pris dans un magazine là. J'ai pris en bas où il y a tous les bons plans là. Il y a un truc, c'est un hamburger, une bière. Là, ici, là, regarde. Un hamburger, une bière, un hamburger, une frite, une bière San Miguel Light. On va louper toutes les questions. 200 bahts, 200 bahts, ça fait 5 euros. Bon, un petit hamburger, une bière, une frite, voilà, ça me permettra d'aller dans un endroit que je ne connais pas.
Donc, je verrai ça demain et après, on fera la quotidienne. Et il vient réparer la clim demain après-midi. Et bonbon, mais American Market, 6 000, 60 000 cœurs dépassés. Merci. 600 000 cœurs. On dépasse, on déchire toutes les autres chaînes. En ratio abonnés cœurs, on démonte tout le monde. Hein. C'est encore bien la preuve que, on a des bons abonnés quand même. Hein. Est-ce que vous avez des sujets que vous voudriez que je traite demain? Moi, j'ai préparé quelques sujets que je retraite. Est-ce qu'il y en a qui ont des sujets? On m'a parlé, il y en a qui auraient pas mal de questions sur les expats, ça peut être intéressant. La Thaïlande, on a aussi pas mal posé, mais ça permettrait d'avoir des sujets, parce qu'il y aura 5 sujets, 5 fois 15 minutes. Comment super trouver un logement à l'année à Pattaya? Une question, des coques sympas pour l'iPhone, à sortir de l'ordinaire. Tu en as? Non, on fait pas les coques iPhone, des bonbons. On est vrai, le cinéma. Cinéma, je note. Cinéma, logement, Pattaya. C'est quoi ta chaîne YouTube? Tu vas sur YouTube, tu tapes GLG Reviews. GLG, un G, un L, un G. Un Reviews, REVIEWS. C'est le même nom que Periscope. T'as des endroits sympas, Taipei. Voilà, merci. Merci. Mais oui, j'avais oublié que vous êtes là. Tu as passé ton permis, Droïde? Non, pas encore. GLG Reviews, merci. Voilà. Donc tu vas sur YouTube, GLG Reviews, par exemple, n'hésite pas à t'abonner, bien sûr, parce que c'est le but du racolage. N'hésite pas à t'abonner, comme ça, on aura un abonné de plus. C'est pas mal. Donc le cinéma c'est pas mal, le logement à Pattaya c'est un bon sujet. Non, des recettes de cuisine, non, arrêtez, je ne cuisine pas, je ne sais pas cuisiner. Je m'abonne, tu t'abonnes toujours ici. Ok, je fais un petit classement sur les cœurs. Hop, et Jennifer, tout le team, Fabien, Davzet, Gibrate, Golou, Can, Nutman, Grand Thierry. Goulou et Khan qui se fight, hein, les deux, hein, c'est 700, 701. Oh, Gibrate aussi, hein. 5, 6, 7, ça fight, hein. Parce qu'après, Davzed, il a 730, on est pas mal. Tu nous avais pas parlé des bars chauds. On pourrait faire une soirée, ta vidéo du TV Max sur YouTube à plus de 500 pouces en l'air. Hey, quand même! Oui, on m'a dit, il y a la cheville aussi, apparemment. Les femmes à Pattaya, comment les reconnaître? J'ai dit, ça a les pieds des canards, la main d'un canard, et ça a la voix d'un canard. À quand la résurrection de la troisième chaîne? What the fuck? What the fuck? Non, c'est what the stuff. Tu connais Colin? Ouais, mais ça, c'est pas des sujets. C'est pas des sujets, c'est des questions qu'on pourrait poser en live directement comme ça. Donc, du coup, je les ai zappés. Je m'excuse bien. Qu'en penses-tu? Dégustation bien américaine. Ah, je vois question. Il y a peut-être que ce que je parlais, d'accord? C'est à peu près ce que je parlais, d'accord? Bon, on voit les commentaires. Je vois un petit peu, mais il y a un gros, gros décalage. Certainement parce que je suis en train d'uploader. Fais un sujet sur l'avenir de la 3D. Your favorite dessert. My favorite dessert is tarte au citron meringuée. Meringue lemon, par exemple. Ou éclair au chocolat. Mais après, les dire en anglais, mon pote, c'est compliqué. Merci à Steph. Bon, trop compliqué d'avoir partagé sur Twitter. Trouver un job en Thaïlande. C'est chaud, hein. À la vie, c'est chaud. Hein. Dans les bars, videurs, il y a pas mal qui ont commencé I'm a girl. Ok, no problem, you can be girl. Il y a pas mal de personnes qui ont commencé à Pattaya en travaillant dans les bars, en faisant videur, ouvreur et tout. Hein. Moi aussi, freiner au citron. C'est quoi le prochain téléphone que tu attends? 76 ans, un coucou de la Suisse. Hey, bonjour une fois. Le prochain téléphone que j'attends. Alors j'attends deux téléphones qui sont sympas. J'attends le Elephone M3 ou S3. Je sais plus c'est lequel le dernier. J'ai oublié. Et j'attends le TV, le 2 Max. Attends, je vais te dire ce que j'attends, papy. J'attends le Elephone S3 et le TV, le 2 Max. Le BV6000, elle l'a envoyé en Chine et tout. Je va se faire foutre, on n'a pas le temps. Mais du coup, on aura le mois prochain. Ils ont un Blackview 7, machin, là, tout bien, tout beau. Donc voilà, je vais faire attention. J'ai le K6000 Pro aussi qui arrive. Vous voyez, tarte au citron, au Bixé. Tu les aimes? À vous. Ah, salaud, hein, je t'ai reconnu là. Mais t'as pas mis ton nom, David. Ah, je te vois, moi. David, qui est un ancien Hongkongais de Bangkok, voilà, converti à Pattaya City. Voilà. Donc voilà, les prochains, c'est le Elephone S3 et le LOTV le 2 Max. J'attends vraiment le LOTV le 2 Max parce que je serais bien un fight avec mon Xiaomi Mi Max. Parce que c'est vraiment deux bons téléphones. Hein. Donc ça peut être plutôt pas mal. C'est quoi le prochain téléphone que tu attends? Ça va ou bien ça va? Voilà, on avait commencé, on a des questions qui arrivent hein, de temps en temps. Voilà. Tu as eu des nouvelles de la Belgique pour l'hôtel qui sort en août.
Ah, le Z2, non. Ben non, la Belgique, il n'a juste pas répondu parce qu'à mon avis, il est débordé. Et Zuc nous a bien dit que la version internationale sortait cet été, en juillet, août. Donc, du coup, il faudra attendre un petit peu bah déjà qu'il soit disponible en version internationale et qu'après, bah, enfin, en Belgique, ils vont certainement les revendre, même si apparemment les ventes n'ont pas été aussi incroyables de ce que ce qu'ils auraient espéré. Voilà. Plus de commentaires. Ah, vous pouvez tapoter un peu sur l'écran, ça fait des cœurs. Bon, je vais me faire des pâtes carbo. Je t'emmène avec moi dans ma cuisine, mais dur pour les cœurs. Ah bah, comme tu veux, mon pote. Non, mais mets quelques cœurs avant de partir, là. Tu tapotes vite fait, et voilà. Donc, du coup, comme vous n'avez pas de questions, une fois de futur, je l'ai demandé à l'enfant, il m'a dit non, pas tout de suite, non, 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 non. Donc, même lui, il n'a même pas de date, hein. Apparemment, ils vont essayer de livrer les précommandes, et après, on aura peut-être un smartphone pour la review. On risque de l'avoir quand on va être en Chine, hein, le fan futur. Hein. Mais je n'hésiterai pas à le relancer, promis. De toute façon, si je ne l'ai pas avec lui, il y a seulement une des trois boutiques qui va me dire hey, vous voulez pas une fan future? Donc du coup, on arrivera quand même à l'avoir. Donc, prochain live. Je remercie tous ceux qui ont partagé, bien sûr, sur leur chaîne. J'espère qu'on va atteindre rapidement les 1000 abonnés. Donc, ce qui vous attend la semaine prochaine, le Vernetor, certainement sans trop de problème. Je vais essayer. Hein. Le Picasso, je vais essayer de le torcher cette semaine. Et le Vernetor aussi, ça sera fait et tout. Pour que vous puissiez avoir un peu d'avance, parce que là, c'est un peu compliqué. Je suis assez en retard sur tes vidéos, faute de bac. Mais as-tu fait des vidéos sur ton appartement? Non, non, c'est une maison, mon pote. Résidence. 150 euros par mois. Non, c'est une maison, c'est pas un appartement. Pour une fois que j'ai une maison dans ma vie, mon pote, je peux en profiter, je peux frimer un peu. Voilà. Donc, prochain live, demain. Tu en avais parlé. Ah bon, peut-être. De faire un live sur ma maison. Possible, possible, possible. Bah écoute, toujours un plaisir de voir tes lives. Et bah écoute, toujours un plaisir de vous retrouver également en live. Voilà. Prochain live, demain, 19h pour vous. Ça fait 20, ça fait 24h pour moi, ça fait minuit pour moi. On fera une quotidienne, on va traiter de 5 sujets. Donc j'en ai déjà deux, on va suggérer deux qui sont pas mal. J'essaierai d'en trouver un d'ici demain, on va lancer des reviews et tout. On finira cette quotidienne avec une des questions en live. Dis-nous comment tu as trouvé ta loge de maison? Eh bien, grâce à Christophe, à un membre qui habite à 100 mètres, qui regardait mes vidéos, parce que moi j'allais à Phuket, il dit, ah, viens à Pattaya, il est venu là. J'ai dit, écoute, au bout de. Je suis quand même venu au moins 4 ou 5 fois. Tu auras rangé. Oui. Guide de la maison, il y a foot demain. Ah non, demain. Donc je l'aimerais bien inviter là. Il dit, écoute, il y a une petite maison à louer, là, elle n'arrive pas à la louer, machin, ça t'intéresse, je te mets en relation avec. Là, il m'a mis en relation avec. Voilà, 6 000 bahts, 150 euros. La maison, elle n'est pas incroyable, mais en même temps, pour 150 euros, je pense qu'en France, tu as une place de parking. Donc du coup, j'ai dit oui, on a réservé la maison et j'ai pris mes clics et mes claques de Chine, je suis venu habiter là. Voilà, pour la petite histoire. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous. Alors, je continuerai le monologue en webcam pour qu'il y en ait un peu plus sur la version YouTube. Hein? Comme ça, ce sera pas mal. Comme ça, on arrête le live et je continue un petit peu face caméra pour la version YouTube. Comme ça, demain, si vous voulez aller voir, hop, vous verrez les petits moments que vous avez loupés au début et que vous avez loupés à la fin. Voilà, je vous remercie tous pour votre fidélité. Je vous remercie tous d'être présents actuellement à ces lives. Alors, je ne sais pas combien on était en ce moment parce que je regarde si je monte un peu là. Ça n'a pas marché. 178 spectateurs au total. Donc c'était pas mal. C'était bien. Voilà. On va essayer d'atteindre tout doucement les 1000 personnes. Et puis voilà. On va y arriver avec la quotidienne, machin, tout. Voilà. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous savez ce qui vous attend. Je vous donne rendez-vous demain pour le live. Pas mal pour nous obliger à voir tes vidéos. Ah, il est fort le geek. Et fait marabout pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Allez. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour le live. Allez. Paix et prospérité. Bye bye. Voilà, c'est bien ça, c'est pas mal. Vous en pensez? Moi, je trouve que c'est pas mal ces petits rendez-vous, c'est sympa. Là, au niveau des commentaires, ça gère pas mal. Au niveau des cœurs, tiens, je vais vous donner un peu le classement des cœurs pour ceux qui sont venus. Ça a du mal à se mettre à jour. Hein. Au niveau des cœurs, c'est un peu la merdouille. 1900 pour Jennifer, tout team, Fabien, Davzet, Goulou, Can. J'ai attends, mais je peux prendre la caméra là. J'ai plus qu'un. En théorie. Merde. Comment ça fait? Ça fait comme ça, là, ici. Et après, normalement, j'ai les questions. Alors là, c'est les votes, non? Là, j'ai les questions, tu vois, ça va ou bien? Et normalement, là, j'ai les commentaires. Là-bas, j'ai vous sur Line, là, les acharnés. Ici, tu vois, non, broadcast, under, after, nanana. Donc, ah oui, il me dit, voilà, donc après, putain. 2400, il compte en un état, lui aussi. Hein. Voilà, là, j'ai ma webcam, tranquille, avec gros problème d'autofocus.
Voilà ma webcam, ça j'ai plus qu'à l'arrêter, ça fera 25 minutes. C'était plutôt pas mal. Là, je vais voir mes enceintes là. Mes enceintes Edifia. Est-ce que vous voulez un peu de son? Ah, vous voulez un peu de son? Je vais vous faire un peu saturer les enceintes Edifia là. Attends, faut que je trouve la télécommande. Ça fera une petite mise en bouche. Oui, bah, je suis assez fan d'Eminem. Ici. Alors, je pense pas qu'il y ait un bon micro sur la caméra, donc ça va pas trop vous faire. Alors, il y en a une ici et une là-bas. Là, parce que ceux qui savent pas, je suis sur de l'oreille gauche. Donc, du coup, c'est intéressant pour moi d'avoir une au milieu là et une là-bas. Je vais mettre un peu le son. Je vais faire voir un peu les trucs à l'arrière. Et le bass, c'est le. Et là. Et en fait, ça met l'onde à l'arrière. Ça va, hein? Ah, ça envoie bien. Hein? Ah, ça envoie bien. Je vais essayer de mettre à fond pour moi. Là, on est à fond les ballons. Ici aussi. Ah, c'est pas mal. Bon, on va arrêter là. Ah oui, merde. Ah, putain, je vais me prendre un strike de YouTube. Forcément. Je vais me prendre un strike en disant hé, droit d'auteur, mon pote. Bon, bah voilà, bah, cette vidéo ne rapportera rien. Ni à moi, ni à personne. Seulement à Eminem. Bon, allez, c'est bien. Participe. Comme ça, je n'ai pas payé l'album. Hein, on peut au moins participer à l'enrichissement de Eminem. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette petite. Bah, un petit supplément, gratos, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai laissé tomber Periscope, tu vois. Ben ouais, vous êtes en train, je vous lis un petit peu sur Line. Voilà, allez, j'espère que ce petit déballage vous aura plu. Je vous donne rendez-vous, ben, là, Periscope avec le décalage, ce soir. Hein, ce soir, pour. Mercredi soir, on va la mettre sur, ouais, sur JT Geek. Et comme ça, je vous donne rendez-vous ce soir pour le live à partir de 19h en France. Allez, paix et prospérité pour la deuxième fois. Bye bye.